Mbote na bino nyonso, ngai Joyce Bonoa. Landa Congo dialogue po yemba nyonso ya Congo. Merci. Shalom, libota na Nzambe. Bienvenue, bienvenue. J'ose croire que vous êtes bien portant, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, vous allez qui vous a branché, connecté dans www.congodialogue.com. Moi, c'est le frère Josué Boloa, l'international en direct de l'Afrique du Sud. Bienvenue dans cette émission. Vous avez vraiment bien voulu choisir cette plateforme. Espace dialogue, là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Merci. Grand merci à vous. Grand merci à la grande dame Francine Nguem de la Belgique, grand prêtre et mère, maman, Webika plateforme, Eza, Otoyambaka, Eza pour la promotion, il y a artiste, promotion, il y a nouveau talentueux, n'est-ce pas, au Bazoya, dans le monde chrétien, surtout dans le monde musical. N'est-ce pas, Toko Tarnaba, c'est pour nous redécouvrir. Lélo, tu as un plaisir. Yako Yamba, un de nos frères, il fait un bon travail ici en Afrique du Sud, n'est-ce pas? Alors, merci, Nabatan Sobo Pessibiso. Si vous voulez, aimer aussi participer dans la conversation, Nabiso, le numéro vous allez bientôt afficher dans ce petit écran, Nabino, Bozangate, Kokome, Nabiso, homme de Dieu, musicien chrétien. Vous avez même des passages en Afrique du Sud. Vous voulez aussi faire valoir vos produits, n'est-ce pas, vos albums. Vous êtes la bienvenue de nous contacter, de nous WhatsApper aussi. Ah, Afrique du Sud, il fait tellement froid. Alors supportez, n'est-ce pas? Neko Kelly, tous allez un peu dans la bomba, ça va parce qu'il fait tellement froid depuis le mois de mars, plutôt depuis fin avril, donc Tito Koma n'a pas fin octobre. Donc, ce qui nous a dépassé en Afrique du Sud, sachez-le très bien qu'il faut s'apprêter, n'est-ce pas? Ce que vous avez place à Moï, Awa, tous allez en plein Malili, n'est-ce pas? En plein hiver. Shalom, l'homme de Dieu. Shalom, papa, je suis vraiment très content. Voilà. Yaruleka, na plateau, na yo. Merci pour l'invitation. Merci Nandenge Onorenga et que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, j'ai reçu cela. Donc merci aussi à la grande dame dans l'Ipambolane Pikitine équipe Mumbaya Congo Dialogue. Merci na Thanks, merci na Joël au Bazar Sima pour l'assistance na Bango. Et grand merci aussi na Désiré Mukombozi pour la disponibilité na yo. Na Mbinde Kokeli, musicien chrétien, dis-nous un peu Keli Azanani, à Botamawa, puis à Utawa, puis à Wiltika Likola Kitimba la Motonde. En fait, le frère Kelly, c'est un artiste musicien, chanteur chrétien, né dans une famille chrétienne aussi. Mon père fut pasteur, paix à son âme. C'est par là que j'ai commencé tout. Né dans une famille chrétienne, notre grand frère aîné chantait déjà à l'église, et puis le deuxième. Et par cette influence-là, et tout a commencé par là, je partais à l'église, à l'école des dimanches. Et je participais dans des cultes, j'ai chanté, j'ai joué à la batterie, j'ai dansé. Et puis tout a commencé par là, groupe d'adoration, comme d'habitude. Et puis voilà. Bon, souvent quand je pose cette question à nos frères musiciens chrétiens, est-ce que tu es né nouveau? Comment tu as reçu Jésus? Bon, ça a un peu folie, mais je suis censé d'appeler parce qu'il y a de ceux-là qui... Parce qu'ils ont une carrière, on a maquillé la musique, ils ont maquillé la musique. On a connu ça en Afrique du Sud. Il y a tant de grands autoyeba, oboyebi, je ne veux pas mentionner les noms ici. Banana ba okoyeba tant que carrière, mais être enfant de Dieu, bazalara na bangote. C'est par après 5 ans, 15 ans en carrière musicale, ba peut pas mon album, mais après qu'on dit, mais la Jésus na sima. Je crois que ce n'est pas ton cas, tu es né de nouveau, et puis comment cela s'est passé? Non, 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 ce n'est pas vraiment le cas. Déjà, à la base, je suis chrétien. Je suis chrétien, né dans une famille chrétienne, comme je l'ai dit, bien éduqué, une éducation chrétienne. Et puis, j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 14 ans. C'était à l'église. Un jour, c'était aussi mon papa qui prêchait. Il disait, non, c'est le temps de la fin, il faut recevoir Jésus-Christ. Il prêchait parce que mon papa fut vraiment un homme de parole. Et puis, je sentais quelque chose monter en moi. Et puis, c'est par là que j'ai eu la décision de recevoir Seigneur Jésus-Christ comme... Seigneur et Sauveur dans ma vie. Voilà, né de nouveau. Mais comment cela est arrivé au côté d'un monde musical? Ouais, comme je viens de dire là tout à l'heure, à l'écodium, quand j'ai chanté, quand j'ai dansé, et tout en grandissant à l'école, j'aimais vraiment la musique. Donc je passais toutes mes journées à la maison en écoutant la musique, en utilisant des cuillères, fourchettes comme batterie. Et c'était comme ça. Et puis, après un temps, quand j'ai décroché mon diplôme d'État, j'ai senti vraiment, moi-même, quand j'ai chanté, parce que les gens ne me croyaient pas. Ça, c'est toujours comme ça. Mais en moi-même, j'ai senti quelque chose. À chaque fois que j'ai chanté, j'ai senti que j'ai quelque chose moi-même. Donc, j'étais vraiment convaincu. Je me disais que non, le Seigneur vraiment a mis quelque chose en moi. Et puis, en travaillant, en aimant la chose, et puis après... avoir décroché mon état, je suis allé aussi étudier la musique
l'alignage perfectionné. Et puis, tout a commencé par là. Et puis, quand je suis venu ici en Afrique du Sud, c'était aussi pour les études musicales. J'ai déjà fini aussi, oui. Et ouais, par là, j'ai vraiment perfectionné. Mais en dépit de tout, c'est d'abord un don que le Seigneur m'a donné. C'est d'abord un don, parce qu'à l'âge de 14 ans déjà, j'ai joué aux instruments. J'ai joué à la guitare, j'ai joué à la batterie, tam-tam, j'ai chanté aussi déjà. C'est un peu ça. Kelly Anderson, qui t'est motivé de plus? Quoique tu étais dans la chorale, tout ça, et avant que tu fasses la carrière, comme tu commences maintenant la carrière solo, qui t'est motivé plus? Tant aux autres, c'était plus qui? C'est Papa Alain Moloto. Et quand j'ai écouté l'album Sublime 1, là j'étais encore vraiment petit, Chaque matin, on écoutait ça, le midi, le soir, tellement que j'écoutais ça chaque jour. J'aimais des chansons, j'aimais tout ce que Papa Alain faisait, parce que j'aimais beaucoup plus aussi sa profondeur dans ses textes, de mélodies et tout. Donc c'est par là que j'ai eu vraiment les goûts de chanter et de servir Dieu par la musique. Parce que en dehors de ça aussi, Papa Alain avait aussi des traits physiquement avec mon défunt papa. Paix à son âme, la taille, le cheveu, sa façon de parler. Donc c'était comme ça. C'est par là que j'ai eu vraiment les goûts. Je me disais non, je peux aussi faire comme ce papa fait. Bon, j'ai reçu un musicien après tout, n'est-ce pas, maman Francine Guembe? Naomi, quand même un musicien, n'est-ce pas? Tu peux nous faire quelque chose? Hello, Moro Boé, à papa Alain, et je m'attends à monter ma sucre. Voilà, je reçois Kelly Anderson, un bien-aimé de l'enseigneur, un jeune talent qui évolue actuellement dans la carrière solo. Tokoyo Kaye, modèle naïe, motivation naïe, Zala qui plus, papa Alain Moloto. Toka morceau, moko. Minyango tope sabato. Oyo bako salaka makambo oyo ekoleka lokola bango maloba yango to simba ekopimbwa nakaina ya bomoye. Oh ya mutu ya topesa nani. Oh Yesu. Batu amayele bamema kimba olo pe malasyo ya mutu ya nabango. Yo kalo imbo mute manderi bonza. Oya motu ya nanga na kopisa. Batu ama yene ba mema kimba olo. Pe malasyo ya motu ya nabango. Yo kalu imba mute manderi vunza. Oya motu ya ranga na kupisa. Yawe nanga kolo. Yobongi na lokumu, bongi na lokumu. Continue à chanter. Oh my goodness, merci beaucoup. Cette chanson a fait plaisir à n'est-ce pas, Steve Mabika, n'est-ce pas, le grand producteur. Cette chanson a fait plaisir aussi, n'est-ce pas, à toi, maman Francine Guembe, la grande dame de la Belgique, à tous les hommes, les enfants de Dieu, waouh, et tous les hommes, les enfants, et même les serviteurs, ceux qui travaillent, n'est-ce pas, dans le groupe Gaël, n'est-ce pas. Coup de chapeau à vous, pasteur Atom, c'est ainsi que maman Nadège. Cette chanson a fait plaisir à vous, hein, bah, Gaël et Nyonso. Que Dieu vous bénisse. Donc, paix à son âme, le défunt Papa Alain Moloto. Donc, Yinda Zala qui plus modèle, n'est-ce oui, pas? Oui, vraiment, Papa Alain, c'est vraiment un modèle pour moi. C'est vraiment, vraiment un modèle. C'est vraiment un papa que j'aimais beaucoup. Voilà, maintenant en Afrique du Sud, tu as fait l'INA. Mais je suis surpris, j'ai pensé que tu es juste un chanteur. Qu'est-ce qui se passe? À part la guitare, oui, à part la guitare, je joue aussi. Au piano
et puis la batterie, tam-tam et puis drum. Tu es vraiment un artiste tout fait. Hein, Joël? Guitare, piano et puis na drum. Yves Stone, donc on a compétit à Naomogawa. Donc piano lissus, donc Christian Mbouyi, donc Mastayeyo, abeta pe piano mais yemba. En fait, parlons un peu maintenant Lelo Tomonio, Toyambio parce que Tomoni album na ba YouTube de Jezali. L'idée est venue de faire l'album et non dernier après tout. En fait, j'ai commencé ce projet depuis 2014. J'ai commencé depuis 2014 et puis c'est vraiment un projet que Dieu m'a mis au cœur. Le Seigneur m'a dit, non Kelly, tu dois réaliser un album, mais il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il faut travailler, il faut donner le meilleur de toi, il faut se sacrifier dans des prières, il faut vraiment travailler, il faut vraiment se sacrifier pour présenter au peuple de Dieu un travail bien fait pour l'évolution du corps du Christ et pour la bénédiction de tous les enfants de Dieu. C'est vraiment un projet que j'ai commencé depuis longtemps. L'album est intitulé Power, qui veut dire puissance, qui veut dire force. L'album est intitulé Power, mais ce qui actuellement sur YouTube, c'est ce clip ici que je vous propose, Sabaoth. Et vous allez suivre ce clip, nous allons revenir pour l'épisode Sabaoth Nini. Sabaoth Yazanani, Sabaoth Pona Nini, Pé Sabaoth. Suivez et puis nous allons revenir après cet élément. Merci. Oh,
gloire car quelqu'un a payé le prix pour nous. Jésus, alléluia. Wow! Oh my goodness! Wow! Merci la régie pour cet élément Sabaoth. Une belle composition, un bon clip bien fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous avez aimé? Wow! Ça m'a édifié. Comment? Tu as dit que ça a pris presque 2 ans pour réaliser l'Okoyo. L'idée à ça, la clip est le Gunondeni, parce que c'est du classe. Ouais, tu vois, nous les enfants de Dieu, nous devons apprendre à présenter quelque chose de meilleur et puis de qualité parce que notre Dieu, c'est vraiment un Dieu de l'excellence qui aime de bonnes choses, de qualité. Donc, par là, je voulais aussi dire à tous les enfants de Dieu qui se lancent dans des carrières, ne cherche pas toujours à faire quelque chose seulement pour faire parce que yambango parce que je n'ai pas de moyens, je dois seulement faire. Non, il faut être concentré, il faut se concentrer pour faire quelque chose de bien qui peut édifier. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, le diable a multiplié de stratégies pour empêcher l'évangélisation. Et si tu fais quelque chose qui n'est pas vraiment présentable aux yeux des gens, donc ça peut être zappé. Et si c'est zappé, le message là aussi qui est à l'intérieur est zappé. Mais si tu présentes déjà quelque chose qui est bien, tout le monde va chercher à regarder. Et en regardant, le message passe. Donc c'est vraiment très important. Un coup de chapeau à vous, vraiment un grand merci. Ce n'est pas pour te flatter, mais je crois que la qualité, le son, le clip, la conception même, et puis je vois, non, c'est très bien fait. Donc nous vous apprécions. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes tous n'est-ce pas? Parce que nous sommes tous les la qualité. Il y a bien, et puis cette image est bien, pour nous sommes tous les émissions est bien, tout ça, l'information est bien. N'est-ce pas? Il y a bonté, cher téléspectateur. Merci beaucoup. Mais je vois la présence de notre bien-aimé FM Fiston Mbuyi. Ah, on a clip ou on a. Et ça la mine de ni beaucoup tanaï. Ils ont un niveau fri du sud. Lui, je sais qu'ils ont à peine dans des foyers quand on a concert naïe. Et ça mine de ni beau ça la featuring moi. Ouais, que je salue en passant Fiston Mbuyi. C'est vraiment un frère de longtemps. C'est vraiment un ami de longtemps, de longue date, depuis Kin. Et quand je suis venu en Afrique du Sud, on était toujours en contact à tout le temps parce que j'avais déjà commencé mon projet de cet album depuis Kin. Et le jour où j'ai enregistré, quand j'ai commencé à enregistrer la chanson de Sabaoth, je lui ai envoyé quoi? Juste le support, hein? Juste l'extrait. Quand il a écouté, il a dit « Waouh !» Il a chanté, c'est plus le lendemain, il m'a envoyé un audio en chantant mon morceau-là. Il était vraiment touché. Il a dit, non, Kelly, donc je dois participer. Je vais chanter ça. C'est un ami. Et puis, quand il est venu ici en Afrique, ici pour se tourner, et on a eu l'occasion de faire ça. Et puis, on a réalisé un clip. Et puis, merci pour la participation de mon frère Fiston Mbuyi. Voilà. Oui, je suis Bola. Soit qu'un bien artiste, à l'ingara preuve à l'appui. Pour que nous avons un studio. Sali Babilo, qui a un peu clip dans l'audio. Mais tant comme dans la production, comme Bamba Bamba. Est-ce que ça peut être Kelly Anderson Mtayembiango ou Toyete?
Linda Nezawana, c'est la biso morceau mon côté, c'est vous qui a composé cette chanson et Zapinayo. À vous. Merci. Sabaot. Namoni neti likolo efongwami. Lipatanke mbo azimo kanona yo. Akomisa maya miso mafuta nzoyi. Sabaote nanga. Yesu elombe netumba. Je ne perds rien à yebiete sabaote azali. Nabunda kate pona longa, me kasina elonga deja. Babenga bilimba nandimi, sabaote makasyo. Sabaote ndelombeo, sabaote mapinga. Mobundi molongi, yeswe. Mobundi molongi, elombe netumba. Mobundi molongi, Mobundi molongi, elombe. Tu as dit dans ta parole que nabate la kimia. Okobunde langaye, okolongi sangaye. Tu as dit dans ta parole que nabate la kimia. Okobunde langaye, okolongi sangaye. La 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 la. Yesu elonga ye. Ah, Milel va ba echeke nanga en privé. Et comme il raison ya banzembo nanga na miswa bato. Ya ya bolingo ya solwezo yezo utana yo. Esiye bana kelonga ya solwezo ye pesa mina yo. Ya ya imilie en communauté. Mais natango yoye honore ngawa na miswa mokili mobimbe. Ah, oleli singaye mokonzo leli singaye. Sabaote nanga bundelanga. Wow, est-ce qu'on peut quand même donner y a juste un ina clac 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 à Betata Maboko quand même. Wow. Voilà, merci beaucoup, merci. Oh my goodness, Sabaote. Savourons les clips, savourons les messages aussi. Non seulement il y a le bon clip, mais la composition, la chanson bien composée, n'est-ce pas? Coup de chapeau à toi. Merci beaucoup. Non, je te salue vraiment. Merci. En pleine émission, on voit la qualité. Donc, déjà, quand j'ai lancé le clip, parce que côté de la mastering et la chanson, c'est un blanc. Le jour où la mastering, Ayoki abi, tu es congolais? Oui, je suis congolais. Ayoki nzembo. Donc abandi ko bandela nzembo na mutuka na depuis abandi ko bandela ngo. Et puis les sud-africains bazo kanze babi, mais on sent comme s'il y a quelque chose qui est caché là. Il y a une puissance qui est derrière cette chanson. Bien que tozo kaba parole te, mais la manière dont tu chantes, la musique, la mélodie, en tout cas, c'est vraiment édifiant. Et puis bah tu senga ki ango, vraiment c'est un peu ça. Et puis c'est aussi bien pour notre pays. C'est aussi vendre notre pays. En dehors de choses dédiées, c'est aussi vendre notre pays et chanter en lingala dans un milieu où Batunyoso Bayebi, que je chante en anglais, je chante en français, mais le premier tube que j'ai lancé, c'est en lingala. Waouh, vraiment. Ok, nous vous demanderons, nous vous suggérerons aussi. Moi, bah, sous-titrage mon anglais à la wana. Pour tout le monde, on se voit à quoi on est sud-africain. Donc, tout le monde est mais bête à moi, pour moi, anglais, on a tout le temps. Parce qu'il y a des amours langues, il y a communication, on a tout. Peut-être à la longue. Oui, parce que l'album contient 12 titres. Il y a des chansons d'anglais, il y a 3 chansons d'anglais, il y a des chansons de lingala, il y a des chansons du français. Donc, j'ai vraiment fait un album très ouvert. Tu peux entrer partout et puis le message peut aussi entrer partout facilement à travers cet album des multicolores parce qu'il y a plusieurs couleurs. Wow.
Avant que nous puissions terminer, Kelly, tu nous dis pourquoi Power. Tu as intitulé ton album Power. Power qui est puissance en français. Oui, Nguyana Lingala. C'est quoi au juste? Pourquoi on peut se titrer? En fait, merci. C'est vraiment une très belle question. En dépit de tout, de Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur a parlé de quatre choses importantes. Il a parlé de l'adoration. Il a parlé de la louange. Il a parlé de l'amour. Et puis, de la manifestation de sa puissance. Cet album, pourquoi je l'ai intitulé Power? Parce que dans l'adoration, on retrouve la puissance de Dieu dans l'adoration. Là où le vrai adorateur adore, la manifestation de la puissance de Dieu et leur partage. Tu connais l'histoire de Paul et Silas? Ils ont été libérés à travers la louange. Prison et Katanaki, Panzanaki et Bukanaki, non la prière, non l'offrande, mais acquis, c'était par la louange. Et puis, le Seigneur a voulu manifester sa puissance Namukileo à travers cet album. Il y a les gens obako consommé ango puissance yanzambe ko se ezala manifester na ba vie na bango. Bato bako consommé album obako consommé ango ezala vraiment manifestation ya puissance yanzambe. C'est pour cela qu'on a intitulé Power. Parce que la manifestation paye la puissance en Dieu. Parce qu'il y a des titres d'adoration, il y a des titres de louange qui élèvent vraiment le nom de Jésus au top. C'est pour cela que je l'ai intitulé Power. Ah bon, Power. Merci beaucoup. Frère Anderson, c'est pour quand l'album qui se sera relâché? Vous avez envisagé quand pour le peuple de Dieu va consommer? En fait, je ne peux pas vraiment donner une date précise pour la sortie officielle de l'album, mais je peux dire que, parce que je le fais avec mes propres moyens, je n'ai pas encore fini tous les travaux au studio. Donc je suis presque à la fin, ça me demande quelques tricks, quelques moyens pour vraiment finir l'album. Donc j'avais juste lancé le premier clip pour que ça annonce déjà l'album, mais je suis encore au studio, je suis en train de travailler, et c'est pour ça même que je suis là devant votre caméra pour parler au peuple de Dieu, pour leur dire que les travaux ne sont pas encore finis. Je suis encore au studio. Et vous sollicitez aussi l'appui d'autres personnes. Parce que Zana Bande Kumsus, Bamaman Msubolanda, Bissanamito, Bazana Poto, Bazan États-Unis, en Europe, même au niveau RDC, Wana, Bambo, on a bandé Benganabademo. Je te chasse, t'es out, t'es. Oh, il y a mon église. On a des mots, un message que nous avons fait à les spectateurs. Ils ont des moyens, mais ils ne savent pas quoi faire pour nous soutenir l'œuvre de Dieu. Ouais. Il y a deux catégories de personnes que je suis en train de chercher présentement. Parce qu'il y a des gens qui ont sollicité pour produire un album. Mais tu sens que Moutaye a un souci. Mais au moyen, au tali, dans ce a présenté le peuple de Dieu, tu vois qu'ils ont marché penza bien. Ils ont battu mes sous, ils ont besoin à soutenir sans pour autant produire. Ils ont lancé appel au peuple de Dieu, ils ont battu nos partenaires, ils ont battu nos moussala et nzambe, et qui ont liboso, ils ont battu nos œuvres et nzambe, côte à partout pour nous édifier. Peuple de Dieu, album est presque à la fin. Namuto nyonso a cause à la toucher. Namuto nyonso a besoin. Achaba moyen aye en jeu pour namusala oyo. Besoin vraiment le bienvenu. Ceux qui besoin a besoin d'engager na opé sa numéro ya contact. Bien sûr, opé sa ba contact. Non, au Facebook na yon numéro WhatsApp na yon numéro téléphonique. Ouais, na bandi na numéro ya téléphone. Là, nous sommes en Afrique du Sud. +27 61 97 46 705. Je répète encore, +27 61 97 46 705. Facebook Kelly Anderson, Instagram Kelly Anderson, ma chaîne YouTube Kelly Anderson TV. Là, ce sont mes contacts. Na batunyo sur balimba contacter nga pour nako encourager ngai surtout que. Parce qu'ils n'ont qu'un moyen.
ezaka mbongo tende osala ke album kende nazana besoin ba conseil na bino nazana besoin ba directive na bino nazana besoin ba aide na bino ba conseil na bino puis nazana besoin ba moyen na bino ba contact na ngaya ngwana et puis le Seigneur ne manquera pas ya ko pambola mutu nyonso wa ko o ya ko tia moyen na ye pona œuvre ya Nzambe. Voilà, merci beaucoup. Cela m'arrive à la fin de notre entretien aujourd'hui en Afrique du Sud, de faire valoir tes produits en tant que musicien, en tant qu'artiste, comédien, sportif. Vous êtes la bienvenue. Yako Leka, na émission Nabiso Espace Dialogue, na chaîne Nabiso, hein, www.congodialogue.com, chaîne de bonnes manières, n'est-ce pas? Site pour la bonne manière, que dirige la grande dame Francine Ngembe. Mafuta ndoi oh.